Bonjour, bonjour. Bienvenue tout le monde. Alors, est-ce que vous m'entendez? Toc, toc. Est-ce que tout le monde va bien? J'ai des petits soucis de micro, donc n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez, si le son fonctionne, s'il vous plaît, avant que je commence à papoter. Bonjour, bonjour. Salut ma petite Coco, bonjour Marie-Elisabeth, coucou Daniel, Martine et toutes celles dont j'ai vu passer les commentaires. Alors, coucou ma Camille. Ah, super, le son fonctionne. Merci Christine et Claudine de m'avoir répondu. Bienvenue, coucou Christelle, bonjour, bonjour, 5 sur 5 Coco, c'est parfait. J'espère que vous êtes toutes et tous en pleine forme. Je suis très très heureuse de vous retrouver en ce lundi après-midi. Coucou ma petite Viviane, j'espère que vous avez passé un aussi bon week-end que le mien, vraiment très très sincèrement. Coucou Patricia, coucou Sandrine, hello hello, bonjour Marie-France. Un week-end incroyable pour moi. Je pense que si vous me suivez sur les réseaux, vous l'avez probablement vu, aperçu. Une première rencontre avec mon équipe ce week-end. Une partie de mon équipe, malheureusement, tout le monde n'a pas pu être présent. Mais on a pensé très très fort à eux. Et en tout cas, on a passé un incroyable week-end. On attend déjà le prochain avec impatience. Si vous êtes curieuse, allez jeter un œil sur ma page Harmoniscrap sur Facebook. Vous verrez passer quelques petites indiscrétions sur ce qui s'est passé ce week-end. C'est juste incroyable. J'en profite rapidement pour féliciter toute mon équipe et les remercier pour leur présence, leur bienveillance, leur soutien, leur amour. Voilà, c'est vraiment incroyable ce qu'on a vécu ce week-end et je suis absolument reconnaissante à tous ses membres, présents et absents, et à Stampin' Up aussi, parce que c'est grâce à cette belle entreprise qu'on a pu réaliser tout ça. Coucou Rachel. Et vraiment c'est magique, il y a eu des rires, il y a eu des larmes, il y a eu du travail, il y a eu de la création. Il y a eu des coups de folie, tout ça mélangé. Alors sincèrement, moi je vous dis, le proverbe dit on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis et sa famille de cœur. Eh bien, je vous le confirme, c'était juste incroyable, humainement parlant, toutes ces personnes qui ne se connaissaient pas et qui, comme ça, grâce à une passion, ont pu être en totale cohésion, c'était juste phénoménal. C'est très très difficile à expliquer, à faire comprendre aux gens, mais j'aimerais tellement que vous puissiez ressentir ce qu'on a ressenti et le vivre, parce qu'en fait c'est ça, il faut vivre ces moments, il faut vivre cette intensité, ce partage, c'est assez extraordinaire. Coucou Mavero et coucou Cécilia. Et du coup, alors en fait, j'ai qu'une chose à vous dire. Au-delà de plein plein de choses, j'ai envie de vous dire, venez essayer, rentrez chez les Stamp Lovers, dans la famille des Stamp Lovers. Et je suis, quasi sûre à 98% que vous ne regretterez pas de faire partie de cette famille, parce que je suis entourée d'hommes et de femmes absolument incroyables. Et c'est aussi une histoire de famille, parce que j'ai un chéri et des enfants aussi extraordinaires qui m'ont sacrément aidée ce week-end. Et j'en profite aussi pour remercier notre DDM, Rose, qui a fait le déplacement jusqu'à nous pour passer quelques heures avec nous. Et c'est vraiment une femme incroyable et qui a une expérience et une générosité sans bornes. Voilà, j'espère pouvoir vous faire, au travers de cet écran, vous donner un tout petit bout de tout ce qu'on a pu engranger et accumuler comme amour et comme énergie ce week-end.
Vous voyez les commentaires d'une partie des stands là. Il y a des petits cœurs partout. Il y a des. Voilà, elles ont vraiment kiffé et moi aussi. Donc voilà, venez vivre. On a déjà calé notre prochain rendez-vous à l'automne. Donc vous avez tout ce temps-là pour vous poser la question de et si moi aussi je faisais partie des stamp lovers et que je venais à la découverte de ces femmes et de ce scrapper aussi qui est assez incroyable. Vraiment. Bonjour Christine. Oui, il y a eu des absents pour plein de raisons. On a essayé de les connecter aussi. Bon, on n'avait pas un super réseau, mais on a vraiment essayé d'inclure le plus de monde possible. Voilà. Bon, j'arrête là parce qu'on n'est pas là pour ça aujourd'hui, mais c'était important pour moi de vous partager parce que on est encore un petit peu dans notre gîte là de ce week-end. C'était juste, ça s'est fini après-midi, donc on est encore. Dans ce move et ça fait vraiment beaucoup de bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un live créatif puisque c'est le cœur de notre histoire où on va réaliser un petit sac cadeau que vous pourrez éventuellement offrir pour n'importe quelle occasion. Là, j'ai prétexté la fête des mamans, mais sincèrement, on peut évidemment le faire pour des cadeaux d'anniversaire, pour plein d'occasions, toujours les occasions sont bonnes, n'importe laquelle, pour faire un petit cadeau et pour faire plaisir. Coucou ma Fafa, coucou Mimi. Quelques petites infos Stampin'Up quand même et Harmony Scrap pour que vous soyez au courant. Certaines d'entre vous commencent à recevoir leur futur catalogue annuel, mais avant cela, il y a quand même toujours les liquidations en cours. Plein de produits sont encore disponibles et vont bientôt disparaître. Donc profitez des réductions jusqu'à moins 60%. Vous avez encore jusqu'au 30 avril pour en profiter. Donc n'hésitez pas, rendez-vous sur ma boutique en ligne. Vous avez le lien en haut de la publication ou en bas dans la barre d'infos sur YouTube. À l'occasion de cette sortie de catalogue annuel, je vous lance quelques petites opérations pour essayer de convenir à peu près à tout le monde quand on ne sait pas trop quoi acheter, etc. Je vous propose dans un premier temps de découvrir, c'est pas ça, je me suis trompée, les échantillons du catalogue annuel, donc des échantillons, des papiers de toutes les collections disponibles dans ce petit trésor. Vous avez dans tout ce que je vous propose là dans les secondes qui viennent, tous les liens à votre disposition dans la publication, d'accord ? Mais vous les retrouverez aussi sur mon blog, sur mes réseaux, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Autre chose que je vous propose, vous le savez, on a une refonte de toutes nos couleurs, et du coup, je vous propose à cette occasion d'acquérir une ou plusieurs couleurs par mois. C'est un club sans engagement, il suffit tous les mois de vous inscrire et de me noter les couleurs que vous avez envie de prendre le mois en question. Et tout ça pour un petit budget. Donc allez-y, les inscriptions sont ouvertes actuellement. Et ce jusqu'au 30. Bonjour Nadine, comment ça va? Et pour finir, ou presque, le Club In Color. Le Club In Color, vous le savez, ce sont des couleurs. Et en l'occurrence, 5 couleurs qui sortent tous les 2 ans. Voilà, vous avez un aperçu de ces belles couleurs à l'image. Eh bien, je vous propose tous les mois de recevoir une couleur avec les produits qui lui sont associés, des papiers, des feutres à encre, à alcool et à eau, pâte d'encre, recharge, etc. Bref, tout ce qu'il vous faut pour profiter au maximum donc, de ces 5 incroyables couleurs que vous pouvez aussi découvrir sur mon blog. Coucou ma petite Constance, comment vas-tu ? Et autre chose, le club de scrap du mois de mai est prêt. Et oui, il est prêt, les projets vous attendent. Vous allez pouvoir trouver les projets sur mon blog, mais je vais vous en donner un petit aperçu tout de suite quand même. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Elles le sont, pareil comme pour le reste, jusqu'au 30 avril. Vous avez un petit aperçu à l'image.
des différents projets que je vous propose avec, bien sûr, une nouvelle collection du catalogue annuel qui s'intitule « Fraîche Marguerite ». Je suis complètement amoureuse dingue de cette collection extrêmement colorée, mais surtout très printanière, avec des poinçons incroyables. Vraiment, j'adore. Cette collection est incroyable. Du coup, on a un membre de l'équipe qu'on surnomme Marguerite maintenant. Je lui fais de gros bisous d'ailleurs. Ma petite Constance, je suis désolée pour ton petit bout, j'espère que ça va mieux. Donc, la collection, eh bien, le club de scrap est ouvert. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire pour réaliser ces 5 projets. Vous avez évidemment tous les tarifs indiqués sur mon blog. Je vous propose dès maintenant de changer de caméra et du coup de découvrir ensemble les projets du club de scrap rapidement et de commencer notre sac cadeau. Voilà, voilà un aperçu rapide des différents projets que je vous propose. Donc, une jolie carte dans des tons vraiment incroyables, tout à fait de saison. En lien évidemment avec les Nicolas. Coucou Véro! Ça, je crois que c'est un de mes papiers préférés de la collection. Voilà, des projets tout simples. Une carte multifonction qui peut aussi servir, pourquoi pas, de porte-nom sur une table ou d'une carte, un porte-carte cadeau que vous pouvez ajouter ici. Voilà, avec des aimants pour la tenir. Ici, nous avons un étui à tablette de chocolat. C'est magique. Bien vu, c'est juste magnifique. Ces marguerites, là, ces découpes sont extraordinaires. Accompagnées tout simplement d'une petite carte pour joindre avec la tablette de chocolat pour les plus gourmandes. Voilà, voilà. Je le veux. Tu veux quoi, le chocolat? Voilà, c'était un petit aperçu rapide donc de ce futur club de scrap. Vous pouvez vous y inscrire dès maintenant sans problème. Nous allons démarrer la création donc de ce petit sac. Ici, j'ai travaillé avec de la poudre à embosser, donc à chauffer. Ici, les petits boutons, je vais vous montrer comment les réaliser tout simplement. Et cette collection rose d'Abigail qui va bientôt disparaître, qui est tellement belle, classe. Vraiment, elle a tout ce qu'il faut pour plaire. Mais voilà, elle disparaîtra dans 6 jours maintenant. Donc, eh bien, ne tardez pas si vous ne l'avez pas ou si c'était un nouveau coup de cœur, puisque c'est bientôt la fin. Et aujourd'hui, je vais faire une version beaucoup plus colorée, vous allez voir, puisque je vais utiliser la collection Nuances du Bonheur avec nos belles fleurs extrêmement colorées. Je récupère tous mes papiers. Voilà. Coucou Marie-France. Je t'ai déjà dit coucou. Hop. Alors, bougez pas, parce que j'ai dit tous mes petits ronds, là, je voulais pas qu'ils se sauvent avant le live. Maintenant, il faut que j'arrive à les attraper dans ma pochette. Voilà. Ça, c'est les petits ronds que je vous avais proposé de préparer. Hop. Toc. Alors, si jamais je fais une petite boulette aujourd'hui, il faudra pas m'en vouloir. Le week-end a été quelque peu fatigant. Et c'est pas impossible qu'aujourd'hui... alors, je vous demande de... Je fais appel à votre plus grande bienveillance et à votre patience, dont je ne doute absolument pas, évidemment. Mais je préfère vous prévenir avant de commencer. Voilà. Ceci étant dit, je récupère mon papier. Voilà. Je vais d'abord prendre la base et on fera les papiers à motif après. Le week-end a été chargé en mon émotion. Oui, c'est rien de le dire. Donc voilà. Allez, première chose, il vous faut un morceau de papier uni qui mesure 28
par 10,2. Oh, je suis toute pardonnée. Merci beaucoup, Claudine, c'est gentil. Ça va, je suis rassurée. Coucou, Flo, comment ça va? Il vous faut également deux morceaux de 14 par 10,2. Je suis ravie de l'image ici. Vous avez les vraies couleurs, c'est vraiment chouette. Maintenant que j'ai de la lumière normale, c'est quand même vachement plus sympa. Alors, on va d'abord travailler sur ce morceau ici, d'accord? Et ensuite, sur les deux autres, je suis en train de chercher, il me manque un morceau de papier. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ça commence très fort. Pourtant, j'avais tout préparé avant, mais je crois que j'ai oublié d'en couper un. Je réfléchis, hein, à ma bêtise. Je réfléchis à ma bêtise. Oui, il me manque un. Il me manque un. Bon. Il me manque le papier de 10,2 par 10,2. Aucun souci. Je vais tout de suite en prendre. Hop. Voilà. Je vais prendre mon morceau. Mais ça ne va pas nous empêcher de commencer. Gros bisous, Claudine. Bon après-midi. Merci d'être passée. Alors, un morceau de papier que je vais venir couper aux bonnes dimensions. Hop, voilà. Heureusement que je vous ai prévenu avant de commencer que ça risquait d'être laborieux. Hein. Alors, 10, 2. La règle en centimètres sur le côté, elle est super pratique, ça évite de gaspillage de papier, donc ça c'est super. Voilà, c'est bien, on n'avait pas commencé, donc c'est parfait. Je garde mon massicot ici, je vais en avoir besoin. Merci ma manesse. Alors, toc, toc, et je prends ma base ici. Nous allons tout bêtement venir faire deux plis sur ce morceau. Si je mets ça là, voilà, j'ouvre ici parce que je vais en avoir besoin. Le premier pli est à 10,2. Et le deuxième à 17,8. 10, 2 et 17,8. Je vous demanderai bien de partager la vidéo. D'habitude, vous le faites moyen, mais là, comme vous êtes des chippies et que je vous dis que je risque de faire des boulettes, je suis sûre qu'il y en a plein qui vont se faire un malin plaisir de le faire. N'est-ce pas? Ok, pour ce morceau-là, eh bien, ça y est. Ok, on n'a plus rien à faire. Pour vous aider, pour vous guider, en fait, ceci, c'est tout simplement, voilà, le contour du sac. Merci ma Camille de mettre les mesures, c'est sympa comme tout ça. J'espère que tu vas mieux, que tu n'as plus de fièvre, ma bichette. Ok, donc ça c'est pour la base, on met de côté, maintenant qu'on a fait les plis, c'est bon. Ensuite, nous allons nous occuper des parties latérales de ce sac, d'accord? Hop, alors, nous allons dans un premier temps venir réaliser des plis. Nous travaillons maintenant les deux morceaux de papier uni qui mesurent 14 par 10,2. Tu scrames en même temps, quelqu'un? Pour les plis de ces deux morceaux de papier, oh la vache, pas cool ça. Nous allons reproduire deux fois la même chose. Donc, les deux sont là. Première étape, je me positionne ici avec le 10,2. D'accord? Et je vais marquer un premier pli à 1,3 cm. D'habitude, je le prends dans l'autre sens, mais 1,3. Nous passons ensuite à 8,9.
Dans ce sens-là, ça sera tout. Je retourne le papier. D'accord. Donc là, j'ai mes deux plis. Toc. Ici. D'accord. Je passe ici sur le côté à 14. Et je viens marquer un pli à 10,2. Donc, au final, nous aurons fait 3 plis. Ok ? C'est bizarre comme celui-ci apparaît beaucoup mieux que les autres ici, c'est assez marrant. Peut-être parce que je ne les ai pas assez marqués. Ah oui, vous ne les voyez pas trop mal. Là. Vanessa, tu scrapes, ça t'a pas suffi. Hein. Ok, idem sur le second. Donc là, cette fois-ci, les mesures sont les mêmes, hein, mais je fais mon 1,3 sur la droite. Parce que quand même, c'est plus pratique quand on est droitière. Et donc, je le retourne. Et je passe à 8,9. C'est exactement la même chose que ce que j'ai fait juste avant. Je bascule mon papier et je viens marquer à 10,2 cm. Comme ceci. Je mets mon papier de côté, mais pas trop loin, puisqu'on va encore en avoir besoin. Alors, pour ces deux morceaux de papier, je vais vous proposer une option. 10,2 à chaque fois, Martine. C'est 1,3 à 8,9, et le pli ici, c'est à 10,2. Camille vous a très gentiment mis les mesures en commentaire. Mais peut-être que vous ne les voyez pas. Alors, si je fais... Voilà, normalement, vous devriez bientôt avoir... Les filles, écoutez bien, par moment, on entend nos copines. Oui, j'ai les grenouilles qui sont encore en super forme. Donc l'option que je vous propose, c'est de venir embosser ici, à froid, votre papier pour les côtés. Ce n'est absolument pas obligatoire, la preuve en est sur la première version. Mais du coup, comme c'est du papier uni sur les côtés, qui est blanc, j'aime bien l'habiller un petit peu. Et du coup, je vais utiliser le plioir à gaufrage Jolie Fleur pour venir habiller un petit peu notre papier et embellir notre sac. Voilà. Donc, c'est parfait puisque ça tient nickel. Vous voyez, je me sers de la ligne noire pour m'assurer que le papier est bien droit à l'intérieur. Un petit guide, hein, c'est parfait. Gros bisous ma fafa, gros bisous Léa, profite bien de ta copine. Voilà, et du coup, je vais tout simplement la passer dans ma machine. Hop là. Donc là, comme c'est un classeur de gaufrage tout simple, je n'ai besoin que de mes deux plaques ici. C'est bien, ça fait des muscles dans la machine, c'est chouette. Voilà, et je n'ai plus à placer tout ça ici. Donc, je rappelle que cette partie n'est absolument pas obligatoire, d'accord ? Si vous n'avez pas envie de le passer dans un classeur de gaufrage, ou tout simplement si vous n'en avez pas, pas de souci. Regardez, ça va être super chouette. C'est sympa, hein? Alors, je suis en train de me demander si je l'ai mis dans le bon sens dans mon classeur. C'est peut-être pas dit. Parce que du coup, ça va se coller comme ça et mes fleurs vont être... Ouais, bon, elles n'ont pas de sens, finalement, c'est pas très grave. Hop, je viens
positionner l'autre. Donc, si jamais vous avez des motifs avec un sens, faites bien attention. Nous allons coller le petit pli, d'accord, à l'intérieur du sac. Donc, potentiellement, il peut y avoir un sens si vous avez un classeur avec des motifs qui en ont un. Et je vous demanderai de ne pas vous moquer de moi. Hop, je pose tout ça. Du coup, ça va être super joli. Puisque maintenant, eh bien, mon papier est embossé, je vais simplement vous montrer mon schéma ici pour que vous ayez un aperçu un petit peu plus clair de ce que l'on va obtenir. Donc, vous voyez, on a les deux plis ici et là, qui étaient de 1,3 et de 8,9. Oui, le classeur, il est magnifique, Martin. Il est encore dispo, sauf erreur de ma part. Et le pli ici à 10,2. D'accord ? Donc, nous allons nous séparer des rectangles ici qui ont été formés par la jonction de nos plis ici et simplement biseauter ici. Regardez, vous voyez, on se sépare des deux petits rectangles qui sont ici et tout simplement on va venir biseauter nos languettes ici. Ok ? Voilà, c'était juste pour vous guider un peu mieux par rapport donc au classeur de gaufrage. Alors, je prends mes ciseaux. Et du coup, je marque délicatement mes plis, puisque forcément, maintenant que le papier est passé dans le classeur de gaufrage, il est un petit peu plus léger et un petit peu plus fin. D'accord. Mais il est très important de commencer d'abord par marquer les plis avant d'aller passer dans le classeur et dans la machine. Alors, c'est parti. Je viens retirer les petits rectangles du côté. Alors, le classeur de gaufrage, il s'appelle Jolie Fleur. Et la référence, si vous voulez la voulez tout de suite avant d'aller sur mon blog, c'est 155-428. 155-428. Oui, je vous conseille de faire les plis avant de passer dans mon classeur de gaufrage. Parce que du coup, enfin, après, très sincèrement, vous faites ce qui vous arrange. Mais en ce qui me concerne, je trouve que c'est quand même plus sympa, plus pratique, que ça évite de venir trop écraser les motifs avec la partie plioire pour marquer les plis. D'accord ? Sinon, ça veut dire écraser plusieurs fois. Et là, pour le coup, les fibres de papier vont être très, très, très cassées. Donc, il faut quand même y aller en douceur. Ça vous aide, Martine ? Ah, on dirait que oui. Super. Ok. Je marque délicatement avec mon plioir à hausse. Je viens couper l'autre morceau de papier. Je détaille vraiment beaucoup toutes les étapes. Alors, pour plusieurs raisons. La première étant que je préfère rester concentrée pour éviter de trop faire de boulettes. Mais aussi, vous le savez, je le fais quand même à chaque fois, pour que chaque personne, quel que soit son niveau de scrap, se sente à l'aise pour réaliser les projets que je propose. C'est très important pour moi de pouvoir m'adresser au plus grand nombre et ne pas créer de frustration pour qui que ce soit. Alors, je ne sais pas si vous commencez à envisager la globalité de votre sac, mais le fait de le passer dans un classeur de gaufrage, je pense que ça va être très joli.
pas si vous imaginez, si vous visualisez déjà, mais ça peut être très fun. Je mets ça de côté et on va maintenant, avant d'assembler, s'attaquer au couvercle. Martine, pour le coup, ce ne sont pas des oiseaux que vous entendez. Alors, peut-être un peu. Mais le son le plus puissant, ce sont les grenouilles dans la mare. Ça va devenir collector, cette histoire. On va tout de suite réaliser donc le couvercle ici. Pour cela, vous avez besoin donc du morceau de 10-2 par 10-2 que j'avais oublié de découper tout à l'heure. D'accord ? Il vous faut également un morceau de papier à motif qui mesure 8 cm de haut et 10,2 de large. C'est tout à fait normal s'ils sont plus petits. Ok ? Donc, le papier uni du couvercle mesure 10,2 par 10,2. Si je le mets là, ça peut peut-être bien mieux vous aider. D'accord ? Et le papier à motif 8 par 10,2. Non, Francine, c'est pas un étang, c'est une petite mare qui a été construite au milieu du jardin. Il y a très longtemps. Le sac s'ouvre comme ça, Christelle. J'y ai mis des scratchs, mais on peut y mettre aussi des aimants, si vous préférez. Bref, c'est juste une suggestion de présentation. Après, vous adaptez avec ce que vous avez. Donc, je viens coller ce morceau de papier à motif bord à bord sur ce morceau de papier uni, vous allez voir. Mettez un filet de colle bien au bord le plus possible, sans mettre des kilos de colle pour pas que ça déborde trop. Voilà. Pas de souci, Christelle. Voilà. Donc je le colle. Oh, sur internet, ça fait très longtemps que je les ai, ceux-là. Francine, j'essaierai de retrouver, puis je te l'enverrai. Et là, tout de suite, aucun souvenir. Voilà. Et on garde donc une petite bande ici. D'accord ? Donc ça sera notre couvercle qui va venir ici se rabattre sur la peau. Ok, je laisse la colle bien s'imprégner sur cette partie-là avant de venir faire des plis. Vous allez très vite comprendre pourquoi en attendant. Coucou Marie-Vonne. Ah, ben si, apparemment, pourtant, il y a bien du son. Peut-être qu'il faut se déconnecter et se reconnecter. Je vais reprendre ma base, d'accord, qui mesurait... Et bien, si on met des aimants, ça va être là. Ça va être justement là, maintenant. Donc là, on reprend le 28 par 10,2 sur lequel on avait fait deux plis au départ. Donc, je viens marquer les plis avec mon plioir. Et effectivement, c'est maintenant, si vous choisissez, de mettre des aimants. Puisque maintenant, nous allons venir coller nos papiers à motifs sur les deux parties extérieures de notre sac, d'accord ? Visualisez absolument bien avant de vous lancer le sens de vos papiers à motifs. Je vous donne tout de suite les mesures. Il faut deux morceaux de 10,2 par 10,2, d'accord ? Donc, votre sac sera debout comme ça, les deux parties vont être relevées, ok ? Donc, avant de coller, visualisez bien, positionnez votre papier pour être sûr que vous allez le mettre dans le bon sens. D'accord ? Si vous souhaitez mettre des aimants, d'accord, il est question maintenant de choisir quelle sera la face avant de votre sac, d'accord, pour pouvoir les cacher par le papier à motif et que ça corresponde avec votre futur couvercle. Après, si vous n'êtes pas à l'aise parce que vous vous dites « bah oui, mais mon couvercle n'est pas positionné tout de suite », eh bien, vous pourrez faire comme moi les scratchs et les mettre après en partie visible
quitte à les cacher ensuite avec un autre morceau de papier ici et là. D'accord? Donc vraiment, pas de stress. Il y a toujours des solutions à tout. Donc comme moi je vais mettre des scratchs, je peux venir coller ça tout de suite. Voilà. Là, je peux le retourner, ça va être comme ça. Ah super, coucou Marie-Vonne, je suis contente que vous ayez retrouvé le son. Parfois la déconnexion ça marche toujours. Le deuxième énorme doit aller dans le couvercle. Bah oui, si on veut qu'il tienne fermé, il faut que la deuxième partie soit au niveau du couvercle. Du petit rabat en fait. Caché ou non, mais là en fait c'est vraiment la fermeture d'ici qui va nous permettre de maintenir cette forme ici sur les côtés. Ça, ça a une importance quand même. Ça va permettre de guider un petit peu, voilà, de bien tenir fermé et puis donner cet effet sac à main. À quel niveau? Eh bien, regarde Christelle, où sont mes aimants, enfin mes scratchs ici. Ça représente à peu près... ici, le bas de mon scratch est entre 2,5 et 3 cm. Donc, je continue de coller ici, ça, ça va là. De rien, Christelle, du moment que c'est clair pour toi, moi, ça me va. Donc, pareil. Bien bord à bord sur les quatre côtés. S'il y a besoin de faire une petite retaille, si ça dépasse après, aucun problème. Voilà, du coup, oh, ça va être trop joli. Complètement différent de la première version, mais ça va être super sympa. Ok? Donc ça, on laisse ça tranquille pour l'instant. Je vous propose maintenant de reprendre donc la partie qui va nous servir de rabat ou de couvercle. Hello Cédric, j'espère que tu vas bien, c'est gentil de passer par un coucou. Bel après-midi. Je reprends donc mon papier ici. Et nous allons marquer deux plis. Forcément, hein, vous vous en doutez, puisque du coup, il va falloir qu'on le colle et que ça vienne ici. Donc, logique. J'ai perdu mon... Ah, voilà. Je ne trouvais plus mes mesures. Alors, gardez bien à l'esprit que vous devez avoir cette petite bande d'uni sur votre gauche. D'accord? Donc la bande ici, sur votre gauche. Le premier pli est à 2,5 cm. Donc, j'ai bien ma bande d'uni à gauche et je marque un pli à 2,5. On fait attention de ne pas abîmer son papier à motif. Voilà, je vais être tranquille, parce que je veux vraiment que le pli atteigne, le papier uni derrière. Merci Coco. Attends, on n'est pas arrivé au bout du sac. Hein. Il n'est pas fini, je ne suis pas à l'abri d'une erreur. Ok, et le deuxième pli est à 6,4. On y va tranquille, on n'est pas pressé. Ce qu'on veut, c'est faire quelque chose de joli et surtout ne pas abîmer notre papier. Voilà, ça me paraît pas mal. Mes plis sont marqués. Ils ont atteint le papier uni à l'arrière, donc on est tranquille. Et ici, ils sont bien marqués aussi. Là, il va falloir que vous guidiez quand même eh bien, le pli, puisqu'on n'a qu'un demi centimètre ici. D'accord. On aide le papier tranquille. Voilà. On pré-marque à la main. Voilà. Ok.
Et ça va devenir donc notre rabat à l'avant. Ok. Si vous avez envie d'utiliser un poinçon bordure ici, c'est possible. Si vous avez envie de vous contenter d'arrondir les angles ici, c'est possible. Si vous voulez laisser les angles droits, c'est possible. Je ne peux pas vous dire mieux. L'essentiel, 1, faites-vous plaisir. Et 2, faites avec le matériel que vous avez. Est-ce que ça vous va comme explication? Je peux difficilement être plus polyvalente sur la question. Alors, si je vous remonte le sac à l'origine, vous voyez, je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir, mais ici, nous avons donc cette fameuse bande unie ici, d'accord? Tout simplement, alors, bougez pas, d'accord? On va considérer que, quelle face je vais prendre? Je vais rester sur la rose. Ok, ici, ça va être, donc cette face va être l'arrière de mon sac, ok? Je vais venir donc coller cette bande ici à l'intérieur, en haut, bien au bord. D'accord? Comme ceci. Et du coup, voilà comment sera. Il y a des moments où j'ai l'impression d'être complètement palmée. Je me complique la vie alors que... C'est, je sais pas, c'est bizarre. Ok? Voilà. En gros, ça va être ça. D'accord? Bon, bien sûr, on va venir coller les côtés. Mais je voulais que vous ayez un aperçu de l'avancée du montage. D'accord? Est-ce que c'est OK pour vous? Donc là, on va venir coller ce petit rabat. Et deuxième temps, on va venir coller donc les parties latérales du sac qui, tout bêtement, viendront faire comme une croix. C'est clair, Francine? Ça va, ça me rassure alors, parce que je suis un petit peu fébrile aujourd'hui, je ne vous le cache pas. Hein. Ces morceaux viendront se coller ici, tout simplement. Donc, on va avoir ce magnifique gaufrage qui va apparaître sur les côtés. Et nos petites languettes vont servir à assembler l'ensemble de notre sac sur les côtés. D'accord? C'est ni plus ni moins qu'une base de boîte, hein, tout simplement. On va joliment transformer. D'accord? Vous voyez? Alors, attendez que ma caméra... Voilà. Toc. Voilà, c'est pas collé, donc ça revient, c'est normal. Vous voyez, on va avoir ce petit rappel là. Alors, ça va être l'ensemble. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça devrait être assez joli. Encore une fois, très différent de la première version. Mais c'est ça qui est chouette. Alors maintenant, je peux me permettre de bien marquer ces plis. Pareil ici, donc c'est pas idiot d'insister un petit peu vu qu'on a les deux épaisseurs. Merci Flo. Je suis trop contente. Je profite de cette collection avant qu'elle ne disparaisse parce que c'est la bonne période, le printemps avec toutes ces couleurs. C'est voilà, ça va être. On a plein d'autres couleurs qui arrivent et tout, bien sûr, mais voilà, c'est une manière de leur rendre hommage et après nous avoir accompagnés pendant une année entière. Je suis en train de chercher ma perfo. Je ne sais pas si je vais réussir à arrondir mes angles correctement. Mais si ça devrait être pas mal. Voilà. Donc j'ai arrondi mes angles ici. Ça sera un petit peu différent de ce que j'ai fait au premier modèle. Mais c'est sympa aussi. Et là, du coup, je viens coller. Donc comme je vous disais, sur ce qui sera l'arrière du sac et en haut. Coucou Muriel, oui, un week-end absolument extraordinaire, entouré de femmes incroyables pour le coup, parce que malheureusement, Crapouillot n'a pas pu venir. Mais vraiment, un moment hors du temps, suspendu, vraiment génial. Et du coup, je viens donc bien coller
au bord, en haut, je cale bien par rapport au côté. Voilà. Je prends mon temps juste pour que la colle adhère bien. Voilà, le temps que ça prenne bien, j'en profite pour remontrer la première version. On réalise un petit sac cadeau trop mimi. Voilà, trop sympa. Ici, Rose d'Abigail. Et aujourd'hui, Nuance du bonheur. Ok. Ça se ressentait sur tes photos, ce plaisir. Ah oui, pour le week-end, là, c'était absolument incroyable. Vraiment, on était... C'était vraiment hors du temps. Allez, je viens côté coller les côtés. Du coup, je vais peut-être prendre mon double face ici pour la base. Je pense qu'avec le gaufrage, ça risque de venir un petit peu mieux. Donc là, c'est un peu moins lisse. Je vais mettre trois petites bandes de double face. Voilà. Oui, j'ai vaguement entendu parler d'une rencontre interlignée. Il faut qu'on voit si c'est envisageable ou pas en termes pratico-pratiques. N'est-ce pas? Voilà, tant que j'ai mon double face à la main, hop, je mets une bande sur les côtés. Voilà, ça accentuera la solidité. Je fais pareil sur les autres. Voilà, selon la largeur de votre double face, vous pouvez peut-être mettre deux bandes, d'accord, vous aviserez selon ce que vous avez. Toc. C'est nickel. Hop. On fait adhérer le double face avec le plioir sur le papier, à plus forte raison en plus quand on a embossé le papier avant. Voilà, vraiment pour qu'ils prennent vraiment toutes les aspérités du papier qu'on a créé avec le classeur. Vous voyez, il y a des motifs qui vont finir par apparaître sur la bande de votre double face. Et c'est vraiment ce qu'on veut pour que vraiment après ça prenne le mieux possible au moment de l'assemblage. Voilà, ça prend quelques secondes de plus, mais ça permet une certaine sécurité supplémentaire. Voilà, et du coup j'ai tout fait là, non. Voilà, je fais en sorte qu'il s'applique le mieux possible. Ok, c'est pas mal. Alors, je prends ma petite pince, ça me fait penser, Vanessa, je n'ai pas ta pince. Je suis désolée. Il va falloir qu'on contacte les filles. Alors, petite astuce quand on a ça. Coucou Annie, ça va ma biche? Alors, on fait bien attention parce que là, du coup, quand il est à plat, on pourrait se tromper d'endroit où le coller. Donc, vous refermez un petit peu avant pour visualiser. Donc, c'est ici qu'on va mettre cette bande-là. Donc, vous alignez bien le tout. Ah ben la lampe. T'inquiète pas, on va la retrouver. T'inquiète, j'en suis sûre. Les filles vont regarder dans leur trousse. Je suis sûre qu'elle s'est glissée dans une des trousses. Voilà.
C'est pareil de l'autre côté. Voilà. Et du coup, maintenant, vous n'avez plus qu'à coller les parties latérales afin d'assembler l'entièreté du sac. Peut-être que le... Voilà. Le double face a décidé de faire de la résistance aujourd'hui, comme si c'était le jour. Veux-tu? Non, mais. Et du coup, on l'a collé. Juste au bord. On fait attention de bien aligner partout. On prend notre ami le plioir pour que le scotch adhère ici. On vient coller au bord de l'autre côté. D'abord à la main et on finit au plioir. Que ce soit plus facile, on peut peut-être ne pas embosser le fond. Oui, pourquoi pas? Là, le papier rentrait entièrement. Donc, ça va laisser un aperçu d'embossage à l'intérieur. Ça a un côté sympa aussi, parce que du coup, oula, voilà, ça embellit aussi un petit peu le fond. Donc, mais il n'y a évidemment aucune obligation. Puis c'est pas plus compliqué finalement à coller. Faut juste prendre le temps, c'est tout. Voilà. Et il reste ici. En même temps, le scotch renforce les côtés plus que la colle. Exactement, Flo. Tout à fait. Joli. Alors, un petit coup de plioir partout, dans un sens et dans l'autre pour être sûr. Et ça commence à prendre forme. Voilà ce que ça va donner quand on va avoir tout fermé. Vous allez voir, super alors. Pour que ça ressemble à un sac, vous allez me dire, il faut des boutons, il faut une anse. Alors, attaquons tout de suite la anse de ce petit sac. Pour cela, il vous faut une bande unie qui mesure 14 tout court par 1,9. Heureusement que c'est écrit là. Hein. Parce que si ça ne l'était pas, je ne vous dis pas. Alors, vous avez là encore la possibilité, si vous le souhaitez, soit... plusieurs possibilités d'ailleurs, soit de mettre, merci Daniel, un morceau de papier à motif tout du long qui va rappeler votre décoration globale du sac. Vous pouvez également, eh bien, si vous avez embossé, embosser à nouveau, eh bien, la anse, okay, ou la laisser telle qu'elle. C'est vraiment un choix qui vous est tout à fait propre. En sachant que ici, vous voyez, ma bande, eh bien, rentre aussi dans mon classeur. Donc, je peux sans aucun problème embosser aussi cette partie-là. Alors, je reprends ma machine, je reprends mon coupe-papier. Et avant, donc je vous disais de passer dans le classeur, nous allons marquer depuis tout simplement pour donner vraiment la forme des anses. Premier pli à 1,9. Oula, j'ai fait une coupe de doigt. 1,9. Et le deuxième, top, 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 12,1. Et voilà, tout bêtement. 1,9 et 12,1. C'est ni plus ni moins que 1,9 des deux côtés.
Et maintenant, je peux le passer dans le classeur. Oui, dur dur retour à la réalité, mais ça n'enlève en rien le plaisir qu'on a eu à se retrouver ce week-end. Vraiment. Pardon. Et je viens maintenant le passer dans mon dans ma machine. Ensuite, nous allons... Je me bloque la machine. C'est le cas de le dire. Nous allons réaliser nos petits boutons. Voilà. Ça va faire une jolie anse. Coucou Karine, je vais très bien et toi? Oui, j'ai une chaîne YouTube, Ali. Je suis en streaming sur les deux en même temps, là, aujourd'hui. C'est toujours Harmonie Scrap. Hein. Voilà ce que va donner notre lance. Bien. Alors. Je mets à côté. Si vous entendez un boom, c'est rien, c'est mon bazar. Tout va bien. Alors. Pour nos boutons. Vous fallait des petits ronds de papier à motif, mais des unis également. Et là, la loose, il m'en manque un qui s'est caché. Il manque un petit rond. Et pourtant, je suis sûre à 100% que je l'ai découpé. Ça, c'est certain. Mais. Il a décidé de se sauver. Je regarde dans mon papier. Hein. Bon. Eh bien, ce n'est pas grave. Je le redécouperai tout à l'heure. Je ne vais pas faire ça maintenant. Je vais sûrement le retrouver après. Hein. Ça n'empêche que je vais vous montrer comment réaliser vos cercles. Donc, un premier cercle uni, un deuxième cercle plus petit en papier à motif, c'est un coup des grenouilles qui m'étonne. Et je vais prendre la partie ici de mon outil touche à tout. Comme je veux cette partie-là, je vais retourner et je vais lui donner une forme arrondie grâce à mon papier en mousse. Voilà, vous allez voir qu'à force d'appuyer et de tourner, eh bien on va se retrouver avec un mini-cercle, mais comme en forme de coupelle. Tout simplement. Lui, il reste tel quel. Voilà. Et on fait ça. Sur les quatre, il en faut quatre normalement. C'est juste qu'il y en a un qui s'est sauvé pour moi. Il n'est pas gentil, hein. Voilà. Pareil ici. Je commence par le centre et petit à petit, j'agrandis. Voilà, avec plus ou moins d'intensité. Et après, eh bien, j'utilise. Non, je ne les mange pas les grenouilles. C'est pas un élevage pour les manger. Hein. C'est vraiment la nature pure et dure. Hein. Je prends un stamping dimensionnel. Et je viens le coller à l'intérieur de mon petit cercle. Et du coup, vous allez voir, ça donne cet effet un petit peu bombé où on a l'impression d'avoir un vrai bouton. Et je viens le coller au centre de mon papier uni. Vous avez vu déjà rien que ça? Il n'est pas mis en dessous de la Big Shot. C'est possible qu'il soit sous ma machine. Et ben non. Merci du conseil, Flo, mais pas de bol, c'est pas là. J'avais tout mis dans une pochette et tout, voilà, je vais forcément le retrouver. Je sais pas, c'est bizarre. Voilà, donc en fait, le principe, c'est de faire l'arrondi à l'intérieur et de rajouter de la mousse 3D pour garder cet effet bombé.
Et ensuite, on vient le coller sur un cercle un petit peu plus gros. Vous aurez sur ma fiche technique toutes les mesures dont vous aurez besoin pour réaliser le projet, bien sûr. Je regarde en même temps comme me conseillent les filles. Ah, trop forte! Merci Camille! Franchement, les filles, vous assurez. Merci Flo, merci Camille pour vos conseils. Alors, je vais vous dire ça dans 2 minutes, Flo. Ah, trop cool! Merci, merci, merci! Ça me fait penser à une démo canadienne qui avait perdu ses 2 petites roues de moto sur un de ses lives et qui les a retrouvées après le live, par terre, derrière sa chaise, je crois. Voilà. On est assez désespérants, nous les démos, avec notre bazar. Francine, je vais te répondre. Hein. Je finis ça. Bah oui, mais colle pas maintenant ça, si tu peux. Et du coup, ceux qui vont rester tout seuls, je vais venir les coller sur le devant, ici, sur les petits plis de la hanse. Ça va faire un rappel de l'avant. Voilà, donc on vient le centrer. Et ça fait comme un vrai bouton. C'est assez sympa. Là, on va avoir cette impression de vraie anse avec des boutons, ça va être super chouette. Alors, maintenant ça y est, vous savez faire des boutons. Francine, c'est l'expérience, le post-it, j'ai déjà retrouvé des petites découpes d'eau, t'es trop forte. Mais je me doutais que ça sentait le vécu quand même. Hein. Les ronds blancs ici, je les ai pris dans les poinçons forme à la mode, d'accord, qui sont encore dispo. Et le tout petit ici, je vous avoue que j'ai pas mal cherché parce que j'ai pas de perfo aussi petite. Mais le petit ici, eh bien, il est là, vous l'apercevez là. Et il fait partie du set de poinçons voûte naturelle, qui est en promo d'ailleurs. Voilà. Et donc, voilà, le petit, il est ici. Mais vous avez les mesures des diamètres des cercles sur la fiche technique. Ok, mais vous savez lequel, du coup, j'ai utilisé. C'est parti. Je vais donc maintenant positionner mes scratchs. D'accord. Vous, si vous avez utilisé des aimants, c'est maintenant qu'il va falloir les poser. D'accord. Donc, mes scratchs sont autocollants. Donc, il me faut 2 paires de scratchs. Ça, j'ai pas pu les sortir avant, hein, vu qu'ils sont autocollants. Voilà. Si vous n'avez jamais utilisé des scratchs autocollants, enfin l'autocollant n'a rien à voir d'ailleurs, mais vous verrez, il y a une face intérieure qui est plus lisse, plus petite, moins épaisse que l'autre. Et là, on vient positionner donc les scratchs ou les aimants. Alors, il colle bien. Alors, le principe, je vous montre, on pince la boîte et il faut que le pli, ici, du rabat, vienne se positionner sur le bord de votre boîte. D'accord? Yes, dégrillé, Camo. Ok, donc, il faut absolument que ce soit bien bord à bord par rapport à l'avant du sac. D'accord? Pour que voilà, ici et là, ça tourne bien. Et qu'on utilise vraiment la largeur ici. Et donc, que ce pli se pose sur l'avant ici. Et ensuite, eh bien, il suffit de glisser les doigts pour faire en sorte que ça colle bien. Voilà. Je vais attendre quelques secondes. Et je vais en profiter pour venir coller mes petits boutons à l'avant donc de mon sac. Ici, vous voyez,
J'avais fait en trait vanille et j'avais utilisé un papier de la collection Rose d'Abigail. D'accord. Et là, du coup, ben, même principe, je vais mettre mes petits boutons ici sur l'avant. Je vais les coller directement à la colle puisqu'il y a déjà, en fait, l'épaisseur du double face. Du dimensionnel, pas du double face. Je vous dis n'importe quoi. Voilà. Et là, on centre tout ça. Ne bouge pas, s'il te plaît. Le fait d'avoir mis de l'uni blanc en dessous, ça permet quand même de faire un contraste par rapport à mon papier et de rendre ces petits boutons un petit peu plus visibles. Merci Martine, c'est adorable. Je suis contente que ça vous plaise. Voilà. Ok, ça me paraît à peu près centré. Je ne vais pas venir défaire tout tout de suite. Hein. J'attends vraiment que tout ça, ça s'imprime. Je vais venir coller ma anse. Alors, quand le papier est embossé, vous vous rendez compte qu'au toucher, il est beaucoup plus fin. C'est ce que je vous disais déjà pour les côtés du sac. Okay. Donc, a priori, vous n'avez même pas besoin d'utiliser votre plioir en anse pour lui donner sa forme arrondie. Il est tellement beau qu'on en voudrait un en cuir. Écoute, on pourrait peut-être s'arranger pour demander à une entreprise d'envoyer le prototype et leur demander de nous le faire faire. Hein. J'ai une entreprise de sac à main à côté de chez moi. Il y a peut-être moyen, hein. Qui sait? Bon, ils vont peut-être me prendre pour une cinglée, hein, mais bon. J'ai envie de te dire, qui ne tente rien, n'a rien. Je remets un petit bout de double face ici. Et petite astuce, vous avez dû voir sur ma première version que j'ai ajouté un petit tag. Alors j'ai un gros bug avec mon double face. C'est pas grave. Hein. Voilà. On va s'en séparer. Du coup, ça me colle au doigt et tout. C'est vraiment génial aujourd'hui. C'est incroyable. J'arrive. Hein. J'essaye de me débarrasser du double face qui joue le rebelle. Donc je disais, j'ai mis un petit tag, une étiquette avec un ruban. Et pour que ce soit plus joli à poser, eh bien, je vous invite à ne coller qu'une partie de la anse pour pouvoir venir ensuite englober la anse avec le ruban et que ce soit le plus joli possible. Voilà. Alors, je suis absolument confuse. Il est vrai qu'aujourd'hui, le live est beaucoup plus long qu'en temps normal. J'ai beaucoup plus détaillé, puis c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup parlé au départ. Tellement j'étais emballée par ma rencontre de l'univers. J'en suis fort désolée. Donc, les personnes qui verront en replay, n'hésitez pas à faire avance rapide. Celles qui sont en live, pas de bol. Ah, bah écoute. Flo, je ne sais pas si tu as vu, Camille, elle connaît quelqu'un qui fait des sacs et tout. Elle me dit qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Voilà. Et je ne colle qu'une partie de ma anse, on vient centrer. En dehors, d'accord. Mais ça, j'attends un petit peu avant de coller. Alors, voyons voir où en sont les scratchs. Et ben voilà, c'est nickel. C'est super chouette. Voilà, ça se ferme bien. Bon, j'ai de la colle plein les doigts pour tout à l'heure, mais c'est pas grave. Ok. Alors, c'est vraiment hyper différent, on est d'accord. Oh mince, c'est obligé de passer plus de temps avec toi. Je vous jure, elles sont folles. Alors. Ici, j'ai donc embossé, je vous l'ai dit, à chaud, le set de tampons, le moment présent, qui est vraiment super joli, j'aime beaucoup. Je vais reproduire la même chose avec ce set-là,
sur le melon mambo. Avec plaisir, Martine. J'ai hâte de voir votre création. J'ai coupé les deux étiquettes, une en blanc et une en melon mambo. D'abord, je vais venir embosser ça. Donc, j'ai besoin de mon kit d'embossage, de ma poudre blanche et de mon set de tampons ici présent. J'utilise mon petit coussin pour retirer l'électricité statique et éviter que toute la petite poudre se disperse partout. Voilà. Je vais prendre un petit brouillon et je viens embosser mon motif qui ne sera pas complet, mais c'est voulu, on est d'accord, sur mon pack directement. Voilà. Et là, c'est bon, on peut venir là. Maintenant. Pas de soucis, Daniel. Merci beaucoup d'avoir été présente. Je suis sincèrement désolée que ça soit trop long. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie d'avoir été présente jusque-là. Bon après-midi. Voilà. Je prends ma petite pince pour ne pas me brûler. Bisous, Annie. Bon courage pour ta crème. Et je viens chauffer avec mon pistolet. Et voilà. Merci beaucoup Flo. C'est vraiment très très gentil ce que tu me dis et vraiment ça me rassure. Donc on a le joli motif qui est embossé ici à chaud. Et je vais rajouter donc le petit message si j'ai de la place. Mais pardon. Si je ne peux pas le mettre en entier, c'est pas grave. Même si je ne mets qu'un petit bout, ça sera super. Et du coup, là. J'utilise le set de tampons à l'honneur qui doit être encore tout juste dispo, mais ça doit être vraiment la fin là. Je vais utiliser le set ici. Bonne fête, maman chérie. Mais j'ai déjà caché une partie, parce que je veux juste le maman. Merci les filles. Donc je veux juste le maman ici. Donc j'ai caché avec du masking tape. D'accord, au maman. Et je vais pareil l'embosser ici, juste au-dessus. Je remets ça au cas où. Voilà. Comme ça, je ne vais pouvoir avoir qu'un petit bout du message de tampon. Merci Muriel, vous êtes adorable. Vraiment, ça fait un bien fou d'être si bien entourée. Ok, je retire ça. On n'oublie pas hein, surtout de le retirer. Et maintenant, je peux venir le mettre directement sur mon étiquette. Voilà. Et de simple d'un bonne fête maman chérie, on se retrouve avec juste un petit maman que je vais à nouveau embosser ici. Ça va être un petit peu plus rapide. Voilà. Donc, voyez, tout simplement. Je le chauffe rapidos. Et voilà. Tout simple. Ça fait une petite équipe, étiquette super sympa. Et là, tout de suite, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de prendre mon ruban. Voilà. Et qui est carrément dans une autre pièce. Donc, ce n'est pas grave, de toute façon. Vous allez sans problème comprendre ce qu'il faut faire.
vous verrez le résultat final après. Parce que je ne vais pas me sauver là et vous laisser tout seul. Alors, maintenant que j'ai fait ma déco ici, je vais en fait rejoindre, vous voyez les deux petits trous, mais je ne vais pas les coller super droit. En fait, le but c'est d'avoir comme un petit matage, mais pas partout. Gros bisous Muriel, bon après-midi. D'accord ? On va avoir un petit décalage, mais c'est ça qu'on veut. Ok ? Donc tout simplement, je vais le coller. Voilà. Je vais mettre de la colle sur mon étiquette. Voilà. Hop. Et je vais laisser un petit décroché, un petit décalage entre les deux. Vous donnez l'inclinaison que vous souhaitez. Comme ceci. Et en fait, je n'étais pas censée les coller tout de suite. Mais c'est pas grave. Ça va changer. Voilà. Vous trouvez ça joli? Du coup, vous pouvez donc maintenant faire passer votre ruban de la manière dont vous le souhaitez pour que ce soit le plus joli possible. En n'oubliant pas d'ajouter votre étiquette. D'accord? Ça m'agace hein, de ne pas le voir fini. Je me débrouillerai pour mon ruban. Mais je ne vais pas arrêter quand même en laissant un truc comme ça qui pendouille quand même. Veux-tu? Merci. Voilà. Je vais me centrer ici, ça va être quand même plus joli. Là. Ah oui, c'est déjà un peu plus esthétique pour l'instant. Et voilà, donc imaginez le joli petit ruban ou la petite ficelle qui va venir avec donc cette jolie étiquette. L'avantage qu'il y ait deux étiquettes dont une blanche à l'arrière va vous permettre, quelle que soit l'occasion si vous l'offrez, eh bien d'y ajouter un petit message à l'arrière. Donc ça, c'est pas négligeable non plus. Ça fait, vous pouvez mettre le nom de la personne, etc., le petit tamponnage et un petit message caché à l'arrière, donc c'est assez sympa. Et du coup, voilà, on se retrouve avec un deuxième sac, avec des couleurs complètement différentes. Merci Daniel, je suis contente si je peux vous donner des petits trucs et astuces, je trouve ça super. Deux versions différentes, tout aussi jolies l'une que l'autre. Vous voyez, chaque embossage et chaque version est totalement différente. Et en fait, c'est ça qui est sympa, c'est que chaque création est unique parce que comme on a deux mains et qu'on est un être humain, eh bien, on ne fait jamais deux fois la même chose totalement à l'identique. Et ça, c'est le côté extraordinaire des créations artisanales. Et je trouve ça vraiment extraordinaire parce que voilà, ça laisse une amplitude de possibilités incroyable. C'est vraiment magique. Vous avouerez comme moi que c'est vraiment, vraiment magique. Coucou Patricia, je t'avais pas vu. Gros bisous, bon courage. Belle création à toi. Voilà, je ne sais pas quelle est la version que vous allez préférer entre Nuances du bonheur avec l'embossage. Voilà, histoire d'embellir un petit peu le papier uni. Ou bien la version rose d'Abigail, en des tons beaucoup plus sobres, et du papier non embossé sur les côtés. Mais voilà, il y a tellement d'options que j'ai envie de vous dire, éclatez-vous, mixez les versions, les possibilités, les décorations, faites-vous vraiment, vraiment plaisir, et puis il n'y a pas de modèle parfait. Donc éclatez-vous, prenez du plaisir, c'est vraiment tout ce que je peux vous souhaiter de mieux. Flo, tu préfères Nuances du bonheur? Cécilia, t'aimes bien les deux? Super. Bon, bah écoutez, maintenant, j'ai hâte, moi, de voir toutes vos versions. N'oubliez pas de les publier avec le hashtag HarmonyScrap en un seul mot, sans espace, sans rien du tout. Du coup, ça me permet d'être notifiée sur les réseaux sociaux et de pouvoir me rendre compte de toutes vos versions et de toutes vos belles créations. Coucou Nathalie, tiens, on t'a loupé aujourd'hui. Merci Véro. Merci Laurence. Gros bisous à ton fils, Marie-France.
J'espère que ce projet vous aura plu et que vous aurez passé un excellent moment, aussi bon que moi. Voilà, un petit peu plus long que d'habitude, mais j'ai envie de vous dire, c'est sympa aussi de prendre le temps et de ne pas avoir le feu sur le dos. Si vous êtes là, c'est que vous avez envie, que vous avez le temps, alors ça me fait super plaisir. Merci beaucoup pour votre patience, votre soutien, votre bienveillance. N'oubliez pas les différents clubs que je vous propose. Les inscriptions sont en cours. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à me les poser. Et je n'ai qu'une chose à vous dire pour finir. Venez vivre l'expérience de la famille des Stamp Lovers. Une expérience unique et pleine d'amour. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao!